coincé dans l'enclos à poulet, ce qui est un début pas terrible pour un épisode. Et le grand Mr. Fenex coincé dans l'enclos à poulet. Bonjour, B35. C'est bien fait de record cet instant, tiens. Ah. Puis il y a aussi Joris qui est coincé dans l'enclos à poulet maintenant. Aujourd'hui, vous allez connaître Joris quand j'aurai fini de tuer ses cochonneaux. Joris est coincé avec les poulets, bref. Pas, ça dépendra de ce que je voudrais faire. En fait, j'ai envie de vous buter, ça va être sympa. Je vais arrêter de chanter parce que sinon on va m'envoyer des messages de mort en commentaire, ce qui sera complètement justifié. Oui, oui, mais bon. Tant que tu leur as pas donné ton adresse, tu peux chanter autant que tu veux. Tant que je désactive les commentaires et les appréciations sur la vidéo. On se retrouve toujours avec Mr. Fanax et Hercule n'a pas dit au revoir, tiens. Il est parti, Hercule, en effet. Sans laisser de traces. On n'a même pas remarqué, il est parti sans faire de bruit, il a quitté le jeu sans faire de bruit. Ah bah, je suis désolé, à partir du moment où il a découvert qu'il y avait un Kikou sur la série qui s'amusait à faire des golems de fer... ah, moi aussi, j'aurais déco. Eh oui, on a mis des heures pour faire ce stock de fer. Comment ça, tu as fait un golem? Ce stock de fer a été établi par Baban, qu'on salue d'ailleurs. Enfin, pour un stock, 4 blocs, c'est pas tellement un stock. Surtout par rapport aux 9 blocs qu'on possédait. Oui, il n'y avait plus rien. Bref, moi j'ai complètement paumé la maison, dites-moi GG. Je vais te manger ce que je viens de récolter. Ah si, c'est bon, je récoltais sec. Pourquoi tu dis GG? Parce que, dites-moi GG. C'est toi le patron après tout, hein? Boss. Boss. Rec boss. Je réfléchis à ce qu'on pourrait construire, tiens, pour varier un peu le... Faudrait varier les plaisirs. Moi, j'ai besoin de beaucoup de quartz, beaucoup d'XP. Tout ce dont ouais, mais pas, bon, écoute, on va pas... Bah, je sais pas, on va pas peut-être... Après, c'est peut-être du hors-caméra, mais on va pas leur imposer non plus un autre épisode de... Ouais, de minage de quartz. Mais surtout que l'autre fois, on n'a pas tellement miné de quartz, en fait. Je suis en train de faire un rasier chez les cochons, je vais ramener les steaks à la maison. Pour une fois que je fais un truc utile dans cette censure de série... Comment ça, les... cochons, mais il y en a presque pauvres. Oui, ah non, enfin tu sais pas les cochons d'Alpha. Là je suis sur les collines extrêmes qui sont voisines au biome Flower Forest, qui est voisin à un biome forest que j'ai sur ma île de mire. Et que... De toute façon j'arrêterai pas de tuer des cochons tant que je serai pas au stack de steak et au level 16. De toute façon j'ai absolument besoin du level 16 pour réparer mon épée. Voilà. Si, il y a de l'XP, tant mieux. Bon, je fais du bloc de quartz. De quartz. Du quartz. T'as bien gardé dans les coffres, genre... Oui, oui, je me suis servi. On a du quartz ou pas? Bon, on va en avoir deux stacks, là. Allez, deux stacks et deux blocs. Genre, ah, c'est cool. C'est génial, je vais pouvoir faire ma construction. Et dans le coffre des ressources premières, avec les œufs et les fleurs et tout le bordel. Oui, c'est... Un stack c'est de glass pane bleu. De glace, mais une bleue. Ça doit pas être celui-là. Ah, c'est celui-là. Ok. C'est bon, ils y sont. Ouais, on a plus qu'à emmener des pots de fleurs. Non. Tu crois que les fleurs ont du pot? Moi, si j'étais une fleur à me faire cueillir toutes les 5 minutes, je pense pas que j'aurais du pot, non. Pardon. Ok, je sors. Oh oui. Je vois passer le message. Merci. Oh vache. Et on a quand même que 4 perles. Ouais, il nous en faudrait beaucoup plus que ça. C'est très très rare, mine de rien, les perles. Faudrait être dans un désert, en fait. Parce que les déserts sont excessivement rares en 1.7. Tous les biomes 1.6 sont devenus excessivement rares en 1.7 pour laisser place à la taïga sans neige et aux autres biomes. Oh, la taïga sans neige. Tu sais, avant, on se spawnait tout le temps en taïga, avant 1.6. Ah oui, ça, c'était terrible. Maintenant, on se pose dans la taïga sans neige. Je trouve ça aussi terrible, parce que je trouve que la couleur de l'herbe est particulièrement horrible. Ah, j'ai trouvé le grinder. Et c'est ça, l'avantage du grinder, c'est qu'on voit... Ouais. Oui, c'est pour ça, on devrait même lui mettre des torches, tiens. Comme ça ferait vraiment un phare. Il faudrait le décorer aussi. Oui, bon, en fait, il faudrait le détruire et refaire un phare. On pourrait faire un phare, voilà.
Ah ouais, un phare. Et moi, j'ai envie de faire une liaison maritime. Tiens, tu m'as donné une idée de la mort que tu veux. Ouais. Une liaison maritime avec quoi? Tiens, tu viens voir Joris. Joris est toujours avec les poulets. Joris, l'ami de la nature. Bien qu'assistant d'un savant fou russe, Joris sait prendre du bon temps et parler avec ses amis poulets. Putain. Tu nous as gâché tout à te faire pour ça, quoi. Mais il est coiffé d'un club à poulet, donc on voit pas l'utilité, mais si, il est génial. D'ailleurs, l'épisode du... What? Le nom de l'épisode sera Joris. Waouh, combien de poulets? Ça a fait popper plein. Tous ses œufs. Non, attention, on frappe. Et tu aurais pu faire un portail, non? Oui, mais j'avais la flemme. Et maintenant, on est coincé avec Joris. Non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaie de mettre un bloc, il y a au moins un poulet qui s'échappe. Coucou, Joris. Ça va? Ça boum, Joris? Bon, moi, je tue les adultes parce que je commence à... Il peut paraître... Je tue tous les adultes. Un peu prétentieux, mais pas... Je tue tous les adultes. Eh, tue-les avec ton épée, Fame. Ouais, moi, je fais du poulet grillé, moi, tranquille. Pas du respect, hein, pas fait. Si tu me tapes, par contre, je suis mal. Non, je fais que des kebabs, moi. Discretos, je me tire, personne n'a rien vu. Coucou, Joris, tu veux du steak? T'en auras pas. Bon. Bah, sur l'épisode précédent, on avait RQ, c'était sympa. C'est sympa d'avoir un clin d'œil d'un pseudo-partenaire qui vient de temps en temps comme ça sur série. Ah merde, il manque de la team, c'est vrai. Tu critiques en plus? Pseudo-partenaire. Oh yeah. Il va jamais revenir. Bah, je veux dire, c'est que sa troisième vidéo sur la chaîne, donc... Au bout d'un moment, voilà quoi. On peut commencer à râler un peu. 25, 27 poulets. Alléluia. 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 Eh, j'ai enfin trouvé de la bouffe. J'en ai ramené pas mal, voire des tonnes. Moi aussi, tu vois, en fait. 32, 33. Alléluia. Cookie de pork shop. Alléluia. Alléluia. Les portes à l'arrière. Chicken. Ouhier. Les portes à l'arrière. Ouhier. Ah, celle-là, on les a attendues. Mais je les ai mises, enfin. Eh oui. Je vais aller dans le coffre pour voir s'il n'y a pas de quartz. D'ailleurs, je vais prendre mon agenda et je vais marquer jour férié. Où ça? Le jour où t'as mis les portes. Depuis le temps qu'on les attend. Et les poulets qui s'enfuient devant moi. Oui, fais gaffe quand même. Par contre, il est où le quartz? Bon, il est sur moi en fait, j'arrive. Ah, dieu, range-moi dans la salle des coffres, j'attends. Hop, en le. Mais les poulets sont vicieux en plus. On a 51 poulets si tu as faim. Et moi signe. Pour le moment, ça va, ça, j'ai pas trop faim. Tu veux? Oui, du quartz. À bout le quartz. Le quartz. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et puis la glace panel. Voilà, et j'aurais besoin de bibliothèque maintenant. Je vais les crafter maintenant. Parce que je vais commencer par ranger mon stuff déjà. Alors, bon, bah, moi je vais libérer un slot rien qu'en faisant ça. Moi je vais faire une petite construction random. Moi je vais mettre un petit peu. J'ai tout à coup de l'inspiration. Tiens, les os que j'ai, je vais. Si tu veux de la bibliothèque, il y en a 18 là. Prends. Ah, cool. Ok, donc je vais en mettre. Ah, ça s'active. Il va se passer des choses dans cet épisode. Ouais. C'est même plus du MVO, on devrait changer le nom de la série. C'est vrai que, mine de rien, MVO, ça, c'est un héritage de la saison 1, où le concept de base était « proposez-nous des trucs en commentaire et on les exécute ». Ouais, mais bah, maintenant, vous n'avez pas tellement offert, malheureusement. Enfin, après, c'est un peu de votre faute. Ouais, mais en même temps, on n'a pas fait trop la pub. Moi, je fais beaucoup la pub pour ça dans les défis Minecraft pour l'interactivité de la chaîne. Moi, ce que j'aime bien avec les petites chaînes comme la mienne, lol, c'est les trucs conviviaux, les trucs, tiens, mon VFX est connecté, j'ai envie de l'engueuler en allemand parce que... j'attends depuis 2 mois, ma commande. Engueule-le en allemand. Bon, va pas jusqu'au point Godwin, mais engueule-le en allemand, oui. Non, voilà, je vais envoyer un message, mais souvent il me répond pas. À part s'il est... Je spam mon email plutôt parce que... Mais spam, sérieux.
Mec.google.com. Bon, en même temps, il est bénévole, non mais quand même. Oui, il est bénévole, mais bon, il disait qu'il rendait en 2 semaines. Là, je suis désolé, au bout d'un moment, faut pas déconner. Peut-être qu'il y avait peut-être bien qu'il y a eu trop de commandes. Faire, mais dans ces cas-là, c'est 2 x 3, 6 semaines. Là, il en est facilement à 12. On engueule notre VFX en vidéo, c'est normal, ça se fait pas, je sais. Ah, pardon si tu vois cette vidéo. Oh, j'ai envie de faire durer l'épisode. C'est pas ce qu'on voulait dire. Tiens, j'ai masse de quartz, la netherrack. Je transfère ici. Non, pas le quartz, s'il vous plaît. Juste la netherrack. Les torches, j'en garde dans un petit stack sur moi. Pour autant, je mets les 15 qui me restent ici pour pas... Hop, les minéraux ici. La poudre à canon ici. Et la nuit qui tombe. Le blé ici, on a 2 stacks de blé et quelques. Les poppies, hop. Pourquoi est-ce que la nuit tombe pile... Je vais construire avec Joris, tiens. Comme ça, personne ne viendra m'embêter. Joris. Hop, voilà, mon inventaire est à peu près rangé. Hop, et les flèches, j'en laisse qu'une seule dans mon inventaire. Parce que mon arc est Infinity. Ça, c'est ce que je devrais faire aussi. Voilà, donc la nuit tombe, c'est le moment d'aller dans les heures, c'est parfait, ça tombe. Ah, Joris est coincé. Joris, ce serait bien de prendre un name tag et de le renommer. Ouais, mais il n'y a pas de name tag. Ouais, on n'a pas trouvé de structure naturelle dans cette série. Bon, si Joris... Bon, bah, je suis désolé, CLB. Hein ? Je savais que tu tenais beaucoup cet élevage de poulet. Quoi ? Joris peut pas sortir. Putain. Tu gardes des poulets quand même, hein. Fais gaffe. Hé, Joris, pourquoi est-ce que tout d'un coup il peut plus avant il arrivait à escalader les barrières. En fait c'est quand il veut. Mais là il aime pas qu'on le fasse escalader en laisse une barrière. Et voilà, et les poulets qui se font il en reste 6 ou 7. On se fait à quoi? On se fait la malle. La 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 la. Bon ouais. Bah voilà. On va commencer par un peu de terraforming si ça vous dérange pas les viewers. Je sais que ça vous dérange mais je m'en fous. Je vais poser Joris et je serai tranquille, sauf pour les creepers. Tranquille. Tranquille. Moi je suis tranquille. Et pas tranquille, t'es pour ouais, moi. Ah, bah, moi je suis VIP, moi j'ai un golem de fer. Tranquille. Alors. Tranquille. Au fait, à propos de creepy, c'est quand qu'on tourne cette... J'ai envie de me frapper la tête contre un mur parce que j'ai crafté des plaques de pression. Ouais. Et oui, pour Creepy, justement. Ça serait bien au bout d'un moment de s'y mettre parce que là, j'ai mis une annonce il y a à peu près 2 mois. Ouais, bah là, bah. Le truc, c'est que j'aimerais bien. Oula. J'aimerais bien me charger moi-même du montage. Ouais, je vais essayer de te filer le montage. Ouais, parce que. Mais sauf que moi, j'ai un bon logiciel, par contre. Ouais, bah oui, c'est ça le problème. Moi, j'ai Windows Movie Maker. Vous n'avez rien entendu. À limite. Oh shit! Eh, mais Joris! À la limite, je te filme ma licence, mais bon, voilà, ça va être à mon nom, ça un petit peu. Ceci était une incitation ouverte au piratage. Ah là là, n'importe quoi. Ah, j'ai cassé 2 blocs à la place d'en casser un seul. M'énerve. Je vais faire quelques escaliers, moi. Je vais prendre un demi-sac de quartz et... Oh yeah! 20 escaliers. Oh yeah! Oui, je crois que je vais te filer ma licence quand même. Creepy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner ensemble, mais... Surfinex va s'occuper du montage, contrairement à ce qu'on avait prévu à la base. Oh, par contre, les gars, ça va être chiant, hein. Je fais du beau terraforming et eux, ils me défoncent au terrain. Alors, je ne sais pas ce que fait Joris. Je ne sais pas si récemment il a développé une maladie, mais c'est bon. Voilà. Va dire foutre, espèce de ghast. Ou en même temps, c'est un ghast. Il est né pour ça. Putain, mon terraforming, quoi. Y a pas respect là. C'est moi le maître du monde, c'est pas toi. Allez, hop, j'ai oublié cette partie-là de terrain, tiens. Hop, voilà, c'est terraformé. J'ai déjà un stack et 16 netherrack. J'ai pas envie de faire un truc excessivement grand, hein. C'est juste un petit truc, voilà quoi. J'ai envie de faire un petit peu comme Bill Silverlight le fait. D'ailleurs, à ce propos, oui, merci à Diamond, à un moment sur un épisode, je calais pour dire, si t'es un excellent architecte minecraftien, tu m'as rappelé Bill Silverlight, je t'en remercie.
Il y a aussi Hyper qui se débrouille bien. Il y a aussi Tinjoff. Il y a aussi moi. Non, en fait, je blague. Moi, je me débrouille mal. En fait, on garde le portail glitché ou j'update le chunk parce que là... Bon, c'est parce qu'il y a de plus esthétique, mais bon. On va le garder. Après, tous les portails, on les fait pas pour l'esthétique. Ou alors, ce sera dans une mise, dans une prochaine mise à jour parce que là, pour l'instant... Oh putain, c'est vrai, ça zoote des bouquins. Heureusement que j'ai pris un peu de bois parce que sinon... Donc je fais gaffe maintenant, par contre, en plaçant mes bibliothèques parce que j'ai pas masse de bois. Et ma souris déconne un peu en plus. Ah bah vas-y Joris, bouge. Joris, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça que j'avais appelé dans ma première partie survie, mais... Ouais, mais ça va ? Et bah voilà. Allez, on laisse. Allez, hop. Je pense que ça va bien rendre. Eh merde. Lag du serveur, putain ! Lag du serveur, putain ! Ouais, je vais... Bah, upgrade, hein. Upgrade, et puis voilà. Ouais, mais enfin, c'est quasiment rien, ça fait même quand c'est upgrade, c'est un truc. J'ai absolument pas de plan d'architecture, mais bon, je me débrouille quand même. Bon, on construit de façon aléatoire, et puis... Hop. Se fait la malle. J'ai perdu tout. Je sais que c'est hyper risqué de faire ça, mais j'ai pas le choix. C'est hyper relou à ce propos. Mais ça va, j'en ai des pains là. J'en ai pas à l'infini, mais j'en ai beaucoup quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça que j'aurais dû faire dès le début. Et merde, j'ai cassé un escalier. J'entends des gaz, j'espère que c'est chez toi et pas chez moi. J'espère que c'est chez toi parce que sinon on va commencer à avoir quelques petits problèmes. Vu que je suis toujours à la surface. Est-ce que c'est symétrique au moins ? Oui, c'est symétrique. Voilà, donc un petit épisode construction comme on les aime. Ça fait plaisir. Je pose pour la miniature YouTube. Hop. Comme le joueur du grenier le fait si bien. À bout de l'escalier. Je rêve ou je vais en avoir pile poil un nombre génial. Un nombre génial. Oh yeah. Mais bon, je crois que j'ai pas torché toute la zone là, c'est... Voilà. Heureusement qu'il y a une porte à l'arrière, il y a des zombies qui sont en train d'essayer de passer. Mauvais item, allez. Mauvais item. Mauvais item. Ah! Oh. Ah, touche pas à ma construction. Les ghast. Oh putain, il a touché ma construction. Oh le connard. Oh c'est relou les ghast. Et il a touché à mon terraforming, l'enfoiré. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Moi aussi de l'autre côté, je vais aller voir ce qui se passe de ton côté. Pas grand chose en fait. Non, ma bibliothèque. Oh. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-là. En plus, elles sont pas hyper esthétiques. Il se passe entre rien et rien. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Je vais avoir besoin de beaucoup plus d'escaliers que prévu. Et merde. Et oui, je dis des mots vulgaires. Likez si vous aimez, dislikez
pas, si vous aimez pas, mettez simplement un commentaire constructif. Je le lirai, je lis tout. De toute façon, je lis toutes mes notifications dès qu'elles apparaissent, dès qu'elles popent sur l'écran, je clique. Et ça tu vas le supprimer. Hein ? Et s'il y a des commentaires du genre ceux de piment fort, enfin, je fais une allusion à lui, mais bon, de toute façon, il ne regardera jamais la vidéo. Je le connais IRL, piment fort, alias Auréorel, alias Neyol, pour ne pas le dire. Piment fort, quand même. Alias Auréorel, qui était le premier membre de la team, après moi. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme. D'ailleurs, à propos de ça, le KTP, bah, j'attends toujours les autres, hein. Je pense à Diamond, je pense à Califort. Ah, ça fait un moment, quand même. Ouais, ça fait un moment, mais on n'a pas le choix. Oh, mais je sais ce qui me manque. On se fait la balle. Oh merde. Oh non. Oh non, pitié. Oh putain. Je vais devoir élargir le portail. Parce que j'ai pas fait symétrique mon truc. J'espère qu'on a des obsidiennes en stock. Faites qu'on a des obsidiennes en stock. Oula. Avant de faire une connerie, je vais aller me chercher un Flint and Steel dans le monde réel parce que sinon je suis un peu dans la merde. Ok, je sais pas si on a un Flint dans les autres coffres. Mais honnêtement, je m'en fous, je vais casser ce bloc de gravier unique jusqu'à ce qu'il drop. Paix et joie sur Terre. Seuls les viewers comprendront, hein, désolé Mr. Phanax. Hop, voilà. Est-ce qu'on a des obsidiennes en stock? J'espère que oui. On en a! Pile poil le bon nombre en plus. Paix et joie sur Terre également. Tiens, bah à propos, Mr. Phanax, je vais venir voir ce que tu fais comme connerie. À ce propos, je crois que j'aurais est beaucoup trop long. Je sais pas combien de temps ça dure, bah je... Ah bah, tu le remontreras au prof... où est-ce que j'ai mis ma ficelle? Joris. Non. Il me manque des patates, en fait. Si t'as beaucoup de patates, tu me les donnes. J'en ai pas. Joris, viens prendre ton nouveau poste. Merci pour ton steak, hein. Alors, Joris prend ses fonctions, hein. Donc si vous avez faim, vous demandez à Joris. Bordel, pousse-toi. Je vais te mettre en laisse, espèce de connard. Tu veux m'avoir à l'arc, hein? Eh ben je t'aurai ton propre jeu, connard. Bref, l'épisode est trop long, beaucoup. Et voilà. Mais bref, sur ce, si ça vous fait une vidéo longue, je suis content pour vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était CL.